Matin Sport. Bonjour Marmoche. Bonjour. Et on commence par du football. Suite et fin de la 13e journée de Ligue 1, l'Olympique Arbeau s'est imposé en déplacement face à l'US Biskra. Elle n'est pas encore terminée, puisque les matchs ont été reportés. Donc c'est pour ça. On a joué le dernier match prévu au programme. Il y a trois matchs qui ont été reportés. Arbou renoue avec la victoire. Arbou, grâce à cette victoire 1-0 devant Biskra, eh bien, arrive à se hisser ou à remonter dans le classement pour se retrouver dans le ventre mou du championnat. Un but inscrit par Yasser Chelfaoui à la 53e minute de jeu. Un match insipide et sans saveur. Triste spectacle offert par les 22 acteurs. C'était tout sauf du beau football. C'était plus du hurrah football dans cette confrontation. On retiendra, je rappellerai les autres résultats. Albaïd a battu le MCO 1-0. Magra et le Paradou ont fait match nul 1-partout. La JS Saoura également a fait match nul 1-partout. Un match qui était agréable à regarder. C'est en temps de ce type JS Kabylie. L'entente a marqué à chaque fois et a vu la JSK revenir à chaque fois. Puisque dans le temps additionnel, l'entente menait 2-1. Et voilà que la JSK a fait preuve de caractère pour revenir à 2-partout. Ça nous donne au classement. Le CSC et l'entente avec 19 points se partagent la première place. Tout suit la JSK et le MCO avec 18 points. Cinquième, le MCA Herbeau avec 17 points. Dans le bas du tableau, on retrouve Biskra en compagnie du Paradou. Biskra compte un match de retard. Le Paradou compte 4 matchs de retard. Je rappelle qu'au niveau du classement, il y a trop de matchs de retard pour notamment les équipes engagées sur les compétitions africaines. Retour à la compétition africaine pour parler des deux représentants algériens engagés en Coupe de la CAF, le CS Constantine et l'USM Alger, à la recherche de la confirmation demain, enfin aujourd'hui plutôt. Aujourd'hui, mais hier il y a eu un match en Champions League africaine. C'est le Mouloudia d'Alger qui a connu sa première défaite. Elle fait très mal cette défaite à domicile. Pourquoi elle fait très mal? Le Mouloudia d'Alger, eh bien, face au leader du groupe, l'Hilal Omdurman, une superbe équipe de l'Hilal Omdurman, eh bien... C'est créé des occasions, mais il a manqué cette réussite. Le dernier geste, l'avant-dernière passe. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui s'incline 1-0. Un but inscrit par Fofana à la 76e minute de jeu. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel. Bien évidemment, une déception sur le scénario du match qui est cruel. Je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce soir. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis au Mouloudia où tel scénario cruel arrive. Il y a beaucoup de déceptions, mais le contenu est encore plus que bon, j'ai envie de dire. On a encore fait du jeu, on a beaucoup d'occasions de but, mais il nous manque un petit peu de grinta, il nous manque quelque chose pour pouvoir remporter ce match qui, je pense, était largement à la portée. On a fait un très bon match. C'est le troisième match de cette poule, on est toujours second, on est toujours en course. C'est vrai que le Mouloudia d'Alger est toujours en course. On va écouter Florent Ibangué, l'entraîneur de l'Hilal Omdurman. On a été assez réaliste. Quand on n'a pas eu le ballon, on a su faire le dos rond, être bien regroupé pour empêcher que l'adversaire ne puisse avoir trop de possibilités de pouvoir marquer. Ils ont eu des occasions, hein. Ils en ont eu aussi. Mais je crois que globalement, on a fait en sorte que l'équipe adverse n'ait pas des occasions. Et puis nous, on a pu en avoir aussi. Dans les deux derniers matchs, on n'était pas très bon dans la conservation du ballon. Là, on a été mieux. On a su garder le ballon. On a su se créer des occasions. Et comme dans ce genre de match, les détails comptent. Et oui, le détail a toute son importance. Le Mouloudia d'Alger peut avoir des regrets sur cette confrontation, mais déjà il faut tourner la page et se projeter sur la quatrième journée. Dans ce groupe, il faut retenir que le tout-puissant Mazembe Young Africans ont fait match nul, 1-partout. Ça nous donne, après trois journées, Al Hilal qui occupe la première place avec un total de 9 points, 3-3. Le Mouloudia d'Alger compte 4 points, le tout-puissant Mazembe 3e avec 2 points. Et Young Africans a pris son premier point hier. En faisant match nul, occupe la quatrième place avec un seul point. Lors de la quatrième journée, le Mouloudia d'Alger se déplacera à Nouakchott pour affronter le Hilal. Je rappelle que les Soudanais, vu la situation qui existe au Soudan, évoluent dans le championnat mauritanien. Alors que Young Africans accueillera le tout-puissant Mazembe. On rappellera que le CRB n'a pas joué. Le match contre l'Ahli étant programmé pour le 22 de ce mois, du fait que l'Ahli participe à la Coupe du Monde des clubs et que l'Ahli a été éliminé hier. J'en profite pour donner le résultat par Pachecos du Mexique. Ça s'est joué au pénalty 0-0, 6 pénalty à 5. Pachuca, j'ai plutôt pas Pachecos, Pachuca. Et donc la finale mettra aux prises, elle n'ira pas en finale. Ce que je veux rappeler, c'est que le CRB affrontera le Ahli, mais dans le groupe du CRB, on retiendra qu'Orlando Pirates, que le Stade d'Abidjan et Orlando Pirates ont fait match nul,
partout. Un résultat qui fait les affaires du Serbie. Mais il faudra aller chercher un point contre Al Ahly. Vous l'avez dit, en Coupe de la Confédération africaine de football, le CS Constantine affronte aujourd'hui la formation angolaise de Maki Dobravos. La rencontre est prévue à 17h. Pour le CS Constantine, il faudra confirmer les deux précédents résultats. On écoute l'entraîneur adjoint du CSC. En l'occurrence, on le retrouvera tout à l'heure, l'entraîneur adjoint du CS, Constantine Attaf Betira, qui justement parle de ce match et de l'importance de cette rencontre, Attaf Betira. Mais avant, on va aller avec l'USMA d'Alger, qui également, l'USMA d'Alger affronte l'ASEC Mimosa, les deux favoris de ce groupe qui se partagent la première place. Pour l'USMA d'Alger et son entraîneur Nabil Mahloul, il s'agira de gagner cette rencontre pour rester et prendre la première place. Il est au micro de l'Ostomi Hachrif. Ça sera un match décisif face à un concurrent direct pour le leadership du groupe et la qualification. Une équipe qui a l'habitude de jouer les compétitions africaines et qui jusqu'à présent réalise le même parcours que nous dans cette phase. Cette double confrontation va être difficile sans aucun doute et à mon avis, selon les premières journées de ce groupe, c'est clair que la première place se jouera entre l'USMA et l'ASEC Mimosa. Pour l'entraîneur de la SEC, Julien Chevalier, eh bien, c'est une équipe qui pour elle vient à Alger pour tenter de bousculer le favori, comme le dit si bien Julien Chevalier, du groupe, en l'occurrence, l'USMA d'Alger. Ça va être un match très différent parce que notre groupe surtout a beaucoup évolué. Le groupe de l'USMA aussi, mais il a gardé pas mal de qualités, peut-être même encore un petit peu bonifié dans la maîtrise collective, tout ça sur ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs. Et on arrive avec un effectif qui maîtrise beaucoup moins ce genre d'événement. Mais là, on est à un tournant un peu plus délicat, un gros renouvellement d'effectifs. Et ça sera une expérience très intéressante pour cette équipe. Mais les forces sont peut-être un peu plus éloignées qu'à l'époque. Voilà pour les compétitions africaines. On va rappeler également qu'on a joué en Ligue 2 pour le compte de la 13e journée dans le groupe 113. C'est Louis VII qui fait la bonne opération en s'imposant devant Magalan 3 buts à 1, gros perdant de cette journée. Al-Harrach qui a été battu, qui a connu sa première défaite de la saison, battu par le Mouldia de Batna 2 buts à 1, mais également Annaba qui menait 2 buts à 0 en déplacement à Oum El Bouhari, qui a vu l'USCHOIA revenir à 2 buts partout pour s'imposer dans le temps additionnel 3 buts à 2. Louis VII compte 6 points d'avance sur son poursuivant immédiat, en l'occurrence l'USM Al-Harrach. On rappellera également aujourd'hui, il y aura la tenue de l'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de Boxe, 3 candidats en lice. Le candidat sortant est donné comme grand favori. On reviendra sur la journée d'hier. Le Real Madrid s'est déplacé à Vallecano, tout juste à côté. Ils ont fait match nul, 3 buts partout. Et les Madrilènes peuvent avoir des regrets, puisque sur la fin, ils menaient au score. En Angleterre, Liverpool, deuxième match nul. C'est la première fois que ça arrive en championnat. Deuxième match nul de suite en première ligue pour le leader. Liverpool, 2 buts partout face à Fulham. Arsenal n'en profite pas. Une nouvelle fois tenu en échec, cette fois-ci par Everton. 0 à 0. Pour voir des buts, il fallait aller à Newcastle. Newcastle s'est imposé devant Leicester. 4 buts à 0. Première défaite pour Van Nistelrooy, le nouvel entraîneur de Leicester. Et puis on ressent à Ipswich Town. Le nouveau promu s'est imposé devant Wolverhampton, le club d'Aït Nouri, sur le score de 2 buts à 1. La grosse surprise, c'est Nottingham Forest qui a battu Aston Villa 2 buts à 1. Et puis on ira en Italie. La Juve tenue en échec par Venise. 2 buts partout. Napoli, qui, rappelons-le, occupe la deuxième place, s'est imposé en déplacement à Udinese. Alors qu'Atalanta, le leader, a battu Cagliari 1 but à 0. Le Bayern de Munich connaît sa première défaite de la saison, battu par Mainz 2 buts à 1. Ils sont plus invincibles, les munichois. Le Bayern Leverkusen arrive dans le rétroviseur, le champion en titre, en s'imposant en déplacement à Augsbourg sur le score de 2 buts à 0. Et puis l'Olympique de Marseille tenue en échec par Lille, 1 but partout. Aujourd'hui, à suivre, Manchester City, Manchester United. Merci à vous, Mohamed Djiboul, pour l'essentiel de l'actualité sportive.